Obtenue aujourd'hui face à vos joueurs courts. Quel est ton sentiment? Le sentiment, c'est bien qu'on soit passé. C'est vrai que c'était l'objectif aussi de passer encore un tour. On savait que ça allait être difficile quand même. On était prévenus, ils avaient sorti 3 LF3. Donc on savait que c'était pas un match facile. On allait venir, on allait se faire entrer dedans. Et puis on s'est rendu le match un peu difficile. On n'était pas dedans, pas de mouvement, rien. Vraiment un triste match c'est aujourd'hui. Quoi. Rien à retenir de ce match, la qualification, c'est tout. Okay. Merci Samuel. Alors avec nous, Romain Marguet, joueur du CAP, et Emilien Demouge, donc joueur pour le Racing Club de Vougeoucourt. Alors, quelle est votre impression après ce match de Coupe de France, remporté 2-0 par Pontarlier? Je pense que déjà qu'ils étaient meilleurs que nous, ça s'est vu sur le terrain déjà. On n'a pas trop touché le ballon. Après, je leur souhaite bon courage pour la suite. Et nous, on va revenir au championnat et ça va être difficile toute la saison. Parce qu'on a des points à prendre, mais c'est pas gagné. Romain, j'ai vu Samuel Vieille tout à l'heure qui me disait qu'il était déçu de votre prestation aujourd'hui. Ouais, après, c'est vrai qu'on a été un peu en dedans en première mi-temps et même en deuxième mi-temps. Je pense qu'ils nous ont rendu le match difficile aussi à nous bloquer. Il y avait un peu de la place sur les côtés. Et puis après, je pense qu'on a 3-4 occasions en début de match qu'on manque un petit peu d'envie pour les marquer. Et puis voilà, quoi. Après, on va dire ça s'équilibre un petit peu. Et puis, voilà, quoi. Mais, après, voilà, je tiens à féliciter Vougeoucourt qui nous a bien embêtés, qui a fait un match sérieux. Et voilà, quoi. Merci à vous et bonne fin de saison. Merci. Avec nous, Alexandre Journet, donc le coach de Vougeoucourt. Bon, il n'y a pas photo pour parler des meilleurs. Mais... Oh ben ça, on le savait avant, ils l'ont confirmé. Quoi. Ils sont très forts, très solides, même si je pense pas qu'ils fassent leur match de l'année contre nous. Au petit trot, un but par mi-temps. Voilà, pas beaucoup de regrets. Mes gars, ils ont couvert énormément de terrain. On a fait vraiment, vraiment les efforts qu'il fallait. Sinon, contre Pontarlier, on prend une valise. Hein. FC Dulac, ils en ont pris 8 le match d'avant.
Non, voilà, un petit regret sur les coups de pied arrêtés. On n'a pas bien négocié quelques coups de pied arrêtés, mais c'est vraiment des détails. Voilà, sur l'ensemble, c'est la logique à respecter. Mais je suis fier de mes gars, on a vraiment offert un beau visage de Vujoku. Merci beaucoup Alexandre, bonne saison. De rien, merci. Donc avec nous, Joël Bartouleau, donc le président de Vujoku. On a eu une belle fête du football aujourd'hui à Vujoku, plus de 500 spectateurs. Malheureusement, Pontarlier est meilleur sur le papier. Oui, rien à dire. Oui, d'ailleurs, on savait que c'était une équipe autre que nous. En plus, on s'est un petit peu renseigné. C'est vrai que c'est une équipe qui ne lâche jamais rien, c'est-à-dire qui n'est pas venue pour s'amuser, qui est venue réellement pour gagner. On l'a vu, donc on a des joueurs qui se sont battus sur tous les ballons. Dans les dernières minutes, on voit les joueurs avec des crampes, donc c'est bon signe. C'est une belle fête, voilà. Et puis, on a eu les jeunes de l'école de foot qui étaient présents. Pour nous, c'était aussi une récompense, c'est-à-dire que ça leur a montré un petit peu ce qu'il pouvait y avoir après. Ça fait une belle pub pour le club. Hein. Je pense que beaucoup de gens vont suivre cette saison en première division de district. Je pense que le club, oui, c'était une bonne publicité. Vas-y. Bonne publicité, et puis c'est quelque chose pour eux. Cette fois-ci, on espère que le championnat sera à la hauteur de nos espérances, parce qu'on a quand même un groupe qui est relativement costaud, qui a été bien renforcé. Et en nombre surtout. Ok. Merci beaucoup et bonne saison. Merci pour votre. Donc avec nous Jean-Luc Courtet. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Une qualification difficile, hein, une prestation assez moyenne dans l'ensemble du CA Pontarlier quand même. Bon, très très moyenne. On était absent de ce match. Un match de foot, quel que soit le niveau, ça se prépare. Je pense qu'il n'a pas été préparé hier soir. Après, il ne faut pas attendre des monts et merveilles. Donc on a été quasiment inexistant en première mi-temps. Et puis ça n'a pas été beaucoup beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps. Quand on n'arrive pas à commencer un match, c'est difficile de bien revenir dans un match. Donc ce qui est arrivé, et donc on a fait une prestation vraiment moyenne. Il y a juste à retenir la qualification. Ça aurait pu faire mal, hein, notamment sur les coups de pied arrêtés, s'ils avaient mieux exploité leur coup de pied arrêté. Voilà, ouais, on savait que c'est une arme dangereuse c'est une arme dangereuse pour le petit, les coups de pied arrêtés. Ça montre aussi qu'on n'avait aucune détermination, on a fait trop de fautes justement. Donc on a failli se faire punir. Maintenant on va retenir que la qualif, mais ça fait quand même quelques semaines où c'est moins bien. Merci Jean-Luc, bonne saison. Donc avec nous Alexandre Nemes, donc le vice-président du RC Vujoku. C'était une belle fête du football, hein. Plus de 500 spectateurs aujourd'hui, on a vu du jeu. Bon, après c'est le Pontarlier qui passe, 5 divisions d'écart, c'est... Oui, une belle fête, nous on est ravis de l'après-midi qu'on a passé. 600 personnes, ça fait bien longtemps qu'on a pu ça sur le stade de Vujoku. Et puis surtout, on a vu un bon match de foot, un vrai match de foot, engagé, il y a eu du jeu, il y a eu une équipe naturellement qui était supérieure, un peu supérieure physiquement, tactiquement, techniquement, mais on a su lutter vraiment vaillamment contre une équipe qui était quand même 4 divisions supérieures. Donc là, je tiens à féliciter les joueurs, je félicite aussi Pontarlier, et je leur souhaite bonne route pour la suite de la compétition, mais surtout bravo, bravo aux joueurs du RC Vujoku, ils ont porté haut les couleurs du club. Et maintenant, place au championnat, retour au championnat avec la première division de district. Et donc, vous avez un objectif qui est fixé pour cette saison en championnat ? Donc, il faudrait déjà qu'on démarre notre championnat. Alors, c'est méchant ce que je dis, mais bon, on a gagné notre premier match sur les 3 premières rencontres samedi dernier. Et maintenant, il faut vraiment se concentrer sur cet objectif, essayer d'aligner les résultats positifs pour vraiment créer une dynamique également en championnat. Et puis, les objectifs, il sera bien le temps d'en parler aux vacances de Noël. On verra où on se trouve dans le groupe. Merci Alexandre et bonne saison avec le RCV. Merci beaucoup.